بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc aujourd'hui un sujet sur les anges, comme je vous l'avais dit, les vidéos sur les anges, elles sont pas nombreuses sur le net, mais celle-ci m'a paru très intéressante pour que vous connaissiez les anges et leur mission. Donc on va C'est une vidéo où c'est écrit, d'accord, comme sur un tableau. Et donc, je vais traduire au fur et à mesure. Et peut-être je mettrai une petite anachite de fond pour accompagner la vidéo. C'est pas sûr. Bismillah. Décryptage et commentaires, comme d'hab. Donc, Al-Malaïka, ce sont les anges. Donc, ce sont des serviteurs nobles qu'Allah Azzawajal a créés, le Très-Haut. Qui sont créés de lumière, d'accord, et qu'Allah Azzawajal a créé pour se les servir, et ils obéissent à Allah Azzawajal et ils exécutent tous ses ordres, et ne connaît leur nombre qu'Allah Azzawajal. Donc vous avez la foi, d'accord, aux anges, c'est une obligation, et c'est un des piliers, d'accord, de l'iman. L'iman, c'est la foi. Ensuite, vous avez les noms, et les catégories d'anges et leur mission, d'accord, leur devoir, ce qui leur incombe, imposé par Allah Azza wa Jal. Donc vous avez Al-Malaikat Al-Afrad, ce sont donc les anges qui sont individuels, et ensuite At-Tawaif, ce sont les anges en groupe. Donc Al-Malaikat Al-Afrad, donc vous avez l'ange Jibril, qui est aussi un archange, ce sont les principaux malaïka. Mikaïl, l'ange Mikaël. Israfil, l'ange Israfil. Vous avez l'ange de la mort, Malak al-Maut. Vous avez Malak al-Arham, donc l'ange des fœtus, je ne me trompe pas, non, c'est pas ça. Donc Malak al-Arham, c'est l'ange des matrices. Ensuite, vous avez l'ange Malak al-Jabal, l'ange al-Jibal, l'ange de la montagne. Et vous avez les deux anges de la tombe. Et vous avez Malik, d'accord, c'est un ange. Donc on va voir, de toute façon, on va revenir dessus. Alors, donc la mission de l'ange Gabriel, c'est établir al-Wahi, le fait de révéler la révélation au messager, d'accord. Et il est aussi appelé Ar-Ruh al-Amin, d'accord. Donc, Ar-Ruh al-Amin, c'est le Saint-Esprit, d'accord. Ensuite, vous avez Mikaïl, il a été qualifié donc pour faire descendre la pluie et diriger donc les nuages. Et faites attention, on n'est pas dans le panthéon de la Grèce antique ou des anciennes croyances, d'accord, païennes. Dans le sens où Jibril et Mikaïl, ces anges, ne sont pas des idoles, ce ne sont pas des dieux. D'accord, on est bien d'accord. Ce sont des anges qui sont au service d'un seul dieu qui est Allah Azzawajal. Donc vous avez Israfil, sa mission, c'est de souffler dans le corps. On a déjà fait des vidéos par rapport à ceci sur la fin, vraiment la fin des temps. Ensuite, vous avez Malak al-Maut qui, lui, a été, comment dire, missionné pour tout simplement s'emparer des âmes, d'accord, lorsque la mort est décrétée pour une personne. Ensuite, là, vous avez Malak al-Arham, l'ange des matrices, comme on l'a dit, celui qui est qualifié du souffle de vie, d'accord, de souffler donc dans le fœtus, et le fait d'écrire son terme, d'accord, combien de temps la personne va vivre, et ses actions, et sa subsistance, de noter aussi combien de subsistance aura la personne, et si elle sera aussi joyeuse, ou heureuse ou malheureuse. Et tout ceci apparaît dans des hadiths qu'on retrouve par exemple dans les 40 hadiths de Nawawi. Vous avez donc l'ange d'Al-Jibel, c'est l'ange qualifié des montagnes, d'accord, tout ce qui concerne la montagne,
C'est pour ça que l'ange Gabriel avait dit au prophète Aïssatoussam, lorsque les gens de Taïf s'étaient acharnés contre le prophète, si tu veux, j'ordonne à l'ange de la montagne de faire tomber sur eux ces deux montagnes, sur Taïf. Et le prophète avait dit non, peut-être que sortira de leur descendance des gens qui seront monothéistes, qui attesteront qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ensuite, vous avez Malaka al-Qabr, donc les deux anges de la tombe, ce que certains appellent Munkir ou Nakir. Et donc, ils sont qualifiés pour poser bien sûr des questions au mort quand il sera, dans sa tombe. Et ensuite, vous avez Malik, qui est le gardien de l'enfer. Que Allah nous protège de l'enfer. Et ensuite, vous avez Redwan, qui est lui, l'ange qui surveille donc le paradis, d'accord. Comme celui de l'enfer, c'est Malik, et Redwan, c'est celui du paradis. Ensuite, vous avez les deux anges, Harut et Marut. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là. Certains considèrent que ce sont deux anges qui ont été donc qualifiés d'apprendre aux gens la sorcellerie en leur précisant que ceci est une fitna, une subversion. Mais moi, je vais donner mon avis personnel en basant bien sûr sur des avis d'exégètes comme Al-Qurtubi. Concernant cet avis-là, il faut revenir vers la vidéo que j'ai faite sur Harut et Marut sur ma chaîne. Ensuite, c'est ce qu'on appelle les anges at-tawaif, les anges de groupe, par groupe, d'accord. Donc, Hamlat al-Arsh, ceux qui sont censés porter al-Arsh, d'accord, le trône. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin du trône, d'accord. Et on ne peut pas définir ce qu'est exactement le trône, même si le trône pour nous, ça représente, une assise sur laquelle la personne s'assoit, d'accord, ou le roi s'assoit, d'accord. Mais ceci ne peut s'apparenter qu'à la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. On ne peut pas dire l'arche, c'est tel et tel chose, on ne sait pas exactement ce qu'est le arche. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle Al-Hafada, ce sont les gardiens. Ensuite, vous avez les gardiens du paradis, les gardiens de l'enfer, Khazanat al-Nar. Ensuite, As-Sayyahoun, ceux qui se promènent sur la terre. Al-Mu'aqibat, d'accord, ce sont des groupes qui se succèdent. Et Zawar al-Bayt al-Ma'mour, ceux qui visitent donc al-Bayt al-Ma'mour, c'est une maison, d'accord, angélique qui se trouve sur le même axe que la Kaaba, mais dans le ciel. Donc les Hamlat al-Arsh, ceux qui portent le Arsh, sont de 8 anges. Al-Hafada, ce sont ceux qui sont censés donc surveiller Bani Adam et le protéger, d'accord, protéger le croyant et le protéger aussi des Masaib, de tous les malheurs, d'accord, et aussi toutes les peurs qui peuvent toucher le croyant quand vous êtes en danger, par exemple, ce qu'on appelle l'ange gardien, et aussi ce qui peut le toucher, durant sa journée, toutes les peurs qui veulent le toucher durant sa journée. Ensuite, Khazanat al-Jannah, donc les gardiens du paradis, donc ceux qui sont censés accueillir les gens du paradis et leur dire assalam, d'accord, assalamu alaykum, et aussi les accueillir avec une belle parole qu'Allah nous accorde au paradis. Ensuite, vous avez Khazanat al-Nar, ceux qui sont censés surveiller l'enfer. Et eux, leur mission, c'est de jeter les gens en enfer, que l'on nous protège de l'enfer, et de ramener les gens par groupe, d'accord, en enfer. Donc, Sayyahoun sont les anges qui sont envoyés sur terre pour chercher les gens qui se réunissent en invoquant Allah Azza wa Jal et en faisant du zikr, d'accord.
Donc, vous avez Al-Mu'aqibat, sont des anges, comme on l'avait dit dans une vidéo aussi, qui sont en face et derrière le serviteur pour le protéger, d'accord? Pour le protéger de toute chose. Donc, lorsque un malheur doit vous toucher, ces anges-là reçoivent l'ordre d'Allah Azzawajal, soit de repousser, ou soit de se retirer et de laisser ce malheur vous toucher. Donc, en fait, on avait expliqué qu'on avait quatre anges. Deux, un à droite, un à gauche, et un devant et un derrière, ça fait quatre en tout. Donc ici, vous avez Zouar al-Bayt al-Ma'mour, sont des anges qui sont censés rendre visite comme on le fait nous avec la Kaaba sur terre, mais eux, ils le font dans le ciel. Et ils visitent ce qu'on appelle Bayt al-Ma'mour, c'est l'équivalent de la Kaaba, mais c'est une maison de lumière qui est visitée par les anges. Elle se trouve sur le même axe que la Kaaba, mais dans le septième ciel, d'accord ? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la Safara, comme dans le verset Kira Mim Barara, d'accord, donc des anges pieux, obéissants, d'accord, qui sont censés donc écrire tout simplement les actions, d'accord. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, nous étions en train, nous sommes en train donc de noter, d'inscrire ce que vous faites. Donc il n'y a pas de son dans la vidéo, hein, donc il n'y a pas de son. Donc voilà tout ce qui concerne donc les anges, d'accord. Et ce que je voulais préciser, quand vous voyez tout ça, d'accord, les anges, que ce soit les anges de groupe ou les anges individuels, vous comprenez ensuite le sens. Et malheureusement, ce qui a été très peu relevé, ou je sais même pas si ça a été relevé, mais en tout cas moi je l'ai pas vu, dans l'explication du terme nahnu, lorsqu'Allah Azzawajal dit nous, nous faisons nahnu, inna kunna nous. Nous sommes en train, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, nous sommes en train d'inscrire, d'écrire ce que vous faites. Donc Allah Azza wa Jalla utilise souvent la forme donc de nous, d'accord. Donc le pronom personnel, le deuxième pronom personnel, le premier pronom personnel, excusez-moi, du pluriel, d'accord. Et beaucoup donc expliquent que c'est une forme de respect pour Allah Azzawajal, alors qu'en réalité, ceci s'explique très facilement, très simplement par le fait qu'Allah Azzawajal agit, bien sûr, en donnant des ordres, mais il y a donc des anges qui agissent pour Allah Azzawajal, d'accord, qui exécute les ordres d'Allah Azzawajal, que ce soit comme on le voit ici, le fait de souffler, comme lorsque l'ange Gabriel a soufflé dans le flanc de Marie pour donner naissance à Isa alayhi salam, ainsi de suite, pour par exemple ici concernant la pluie avec l'ange Mikaïl. Vous avez aussi l'ange qui s'occupe de châtier, qui est Jibril, l'ange Gabriel et parfois aussi l'ange Mikaël. Israfil, qui est celui qui sonne dans le corps, d'accord, l'ange de la mort, donc il y a l'ange de la mort qui s'empare des âmes. Voilà, c'est l'ange des matrices, l'ange de la montagne, l'ange, et peut-être qu'il y a d'autres anges, Allah alam, qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas été recensés dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est fort possible. Donc vous comprenez que tout ceci est une organisation angélique, d'accord, qui est au service d'Allah Azzawajal. Donc lorsque vous entendez dans le Coran le terme nahnu, nous, vous comprenez ce que ça veut dire, d'accord. Donc les gens qui essaient d'expliquer que c'est une forme uniquement de respect, sans expliquer la chose de manière très simple et très explicite, peuvent mettre le doute dans le cœur des croyants et même faire en sorte que le doute perdure dans le cœur de ceux qui ne croient pas, parce qu'ils trouvent qu'il y a peut-être des choses illogiques en apparence, alors que là, en réalité, il n'y a pas de choses illogiques, d'accord. C'est simplement un manque de compréhension. Wallahu a'lam. Donc vous pouvez me donner votre avis, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un j'aime, un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent, inshallah ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute.